Salut à tous! Hello! Tous les abonnés, les 2924 abonnés. C'est pas classe, ça? C'est pas mal. C'est pas mal. On fait une vidéo pour vous informer des news, parce que tout le monde n'est pas sur la page Facebook. Donc on voulait un petit peu vous tenir au courant de ce qu'on fait en ce moment. Première nouvelle importante. Enfin, c'est important, c'est pas si important non, que ça au final, parce que... En fait, voilà, on a créé un compte Tipeee. On veut de l'argent! Beaucoup d'argent! Non, c'est pas ça. On l'a fait parce que ça existe. Enfin... Moi, au final, ça me fait un peu chier de le faire, je vous avoue. Vous demander de l'argent, c'est horrible. Ouais, je suis pas trop fan du concept. On l'a fait parce que on a quand même pas mal... Enfin... Le truc, ce qui nous manque vraiment, c'est une caméra pour le moment. Je pense que si on avait une meilleure qualité de caméra, ce serait la fin du... C'est tout ce qu'on a besoin, quoi. Ouais. Après, c'est juste d'avoir des bonnes idées. Et vu que c'est le truc qui coûte le plus cher, on s'est dit que déjà, on va économiser de notre côté. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, on a créé une page Tipeee avec... On a essayé de faire des lots, enfin des contreparties. Contreparties. On a essayé de pas trop se foutre de vous, parce que c'est important, ça, de donner des trucs bien à ceux qui donnent. Et donc, toujours en vous en participer le plus possible. Enfin, après, on sait qu'on a que 3000 abonnés, donc c'est un peu ridicule de faire une page Tipeee. Surtout que, demander de l'argent, c'est très difficile. Mmh. Après, il y a des gens qui ont moins d'abonnés que nous, qui ont aussi une page Tipeee. Oui, voilà. Mais c'est juste parce que ça existe, on vous informe qu'elle existe. Oui, en fait, c'est ça, on a fait cette page parce qu'à la base, on s'est dit, de toute façon, ça existe, c'est gratuit pour nous. Oui. Autant essayer, quoi. Donc, ce qu'on vous propose, c'est comme tout le monde le fait... des news, des machins, enfin ça c'est entre guillemets, vous en foutez un peu parce qu'on vous informe un peu de tout. Mais dès 5 euros, on vous permet de... D'avoir un pack. Le package. 5 euros, c'est le package. Alors en gros, vous avez toutes les vidéos qu'on va sortir en exclusivité. En avant-première. Toutes les musiques en avant-première, des Tiliel, même celles qu'on va refuser au final. Qu'on peut refuser. Pas souvent, mais oui, c'est pas souvent, mais ça arrive. Pas parce qu'il n'y a pas de talent, c'est parce que ça colle pas, tout simplement. On vous propose pour 5 euros, il y a un fond d'écran que Greg peut faire. Voilà, sur commande, il va essayer. Toi, tu fais un dessin. Non, c'est un autre. C'est après ça. Vous avez une vidéo spéciale où on remercie les gens en face caméra, genre réunion édito, et on dit votre nom parce que avoir des... juste écrit, c'est dommage. Alors pour vraiment vous remercier, on peut faire une vidéo à part, pour remercier vraiment vous. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous faites, on peut aller voir ce que vous faites sur internet. Enfin, c'est aussi pour discuter. D'échange, oui. Mais voilà. Et avec pour 5 euros aussi, vous avez le droit à une session Skype avec une durée illimitée. On va pas faire 30 minutes, on n'est pas à ça près. Bon, si ça dure 3 plombes. Au bout d'un moment, on a des choses à faire dans la journée. On va aller se coucher, quoi. Oui, voilà. Mais en gros, pour 5 euros, c'est un peu dommage de dire vous avez le droit de nous parler pour 5 euros, c'est pas ça, mais. C'est pas ça. Vous pouvez dialoguer avec nous sur Facebook, il y a pas de problème, mais c'est pas ça le problème. C'est pour 5 euros si vous voulez, en plus avoir un moment privilégié où Greg et moi on est tous les deux vraiment pour vous. Parce que si vous nous contactez sur Facebook, des fois on n'a pas le temps. On est désolé. On répond, mais on n'a pas tout le temps le temps. Et voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, pour 20 euros, vous pouvez choisir le thème de l'atelier animé, le film que vous voulez. Dire votre critique et on l'insère dedans, enfin votre point de vue. Quelque chose que je voulais préciser parce que c'est vrai que moi aussi je pensais ça au début. Tipeee, c'est pas forcément. Le principe de base c'est donner tous les mois une certaine somme, mais vous pouvez très bien aussi donner qu'une seule fois et puis c'est tout. Enfin voilà si vous voulez. Imaginez que vous vouliez donner le thème pour le prochain l'atelier animé, vous donnez une fois 20 euros et puis c'est bon quoi. Donc c'est vraiment une façon pour vous de vraiment participer parce que là vous nous imposez le truc, si ça se trouve vous allez nous faire découvrir un truc qu'on n'a jamais vu, ce qui est bien aussi. Vous êtes sûr de l'avoir, on va faire notre critique, vous aurez votre critique dedans. Vous pourrez participer aussi à la vidéo. Pas physiquement. Si vous voulez. Vous pouvez faire en écrit, on dit l'avis de. De... machin parce que c'est important, enfin c'est je trouve c'est
intéressant d'avoir d'autres points de vue que les nôtres, parce que nous, on a un point de vue, mais on n'a pas... Et pour 50 euros, là, c'est vraiment un truc de ouf, c'est vous choisissez le manga de l'atelier, de l'émission L'Atelier, là, c'est vraiment, parce que c'est une grosse, c'est la grosse émission, c'est celle qui dure entre 10 et 20 minutes, et vous pouvez vraiment participer physiquement dedans, c'est-à-dire que vous pouvez vous filmer... on peut vous dire de faire des blagues, on peut vous insérer avec un ordinateur, voilà. Vous faites partie du truc. Faites partie. Et en plus, vous avez accès à au groupe secret, l'atelier, où en fait, c'est tout le staff à nous qui est dedans. Donc là, c'est vraiment... Et puis, oui. Où il y a les trucs en exclusivité, voilà, voilà. Internationale. Vraiment, les trucs de ouf. Et pour 500 euros, il y a couscous. Non, c'est... Ah oui, c'était oui, 500 ouais, au final. Ouais, pour 500 euros, il y a couscous. Y a couscous. On vient chez toi, on t'ambiance, ouais, tout ça. Ça, c'est une blague, plus ou moins, mais voilà. Bon, juste... si... Si, oui. On sait jamais. Donc voilà, ça, c'était les news pour Tipeee. Voilà. Sinon, donc on a, oui, on voulait vous dire, on a reçu pas mal de vidéos. On en est à entre 15 et 20. Entre 15 et 20, ouais, pour donc la vidéo des 2000 abonnés. Sauf que là, bon, on va arriver à 3000. C'est cool. C'est un peu con. C'est cool. Non, bah, c'est du cool. Coup, du coup, je suppose que on sortira la vidéo pour les 3000, tant qu'à faire. Voilà. Donc ce sera. Voilà, ce sera 2000-3000, et puis aussi pour les 1000, parce qu'on n'avait pas fait de vidéo pour les 1000 abonnés. Donc c'est un petit peu un grand pack. Voilà. Donc il vous reste 6 jours à peu près, 5-6 jours pour, pour envoyer. Ouais. N'ayez pas peur, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais j'ai peur d'être face cam, j'ai peur, j'ai pas de matériel. » Ouais, ou sinon... Ouais, non, déjà le matériel, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, si vous avez juste votre appareil photo ou votre portable, je sais pas... C'est pas grave, l'important c'est de s'exprimer, vous n'êtes pas obligé non plus de montrer votre tête un si masque, vous voulez pas, vous pouvez vous modifier votre voix, enfin il y a des tonnes de possibilités à faire. Même avec Windows Movie, Moquette. L'intérêt c'est surtout de vous donner l'impression. De vous donner l'occasion de vous exprimer. De vous expliquer. tu donnes l'impression que tu t'expliques. T'es content? T'es concerné. Non, donc voilà, n'ayez pas peur et du coup, les retardataires, dépêchez-vous. Parce que du coup, on va peut-être faire deux vidéos, celle où on met tout en brut, on met côte à côte. Parce que des fois, vous filmez à l'envers, c'est très rigolo. Hein, parce que, on reçoit des trucs, on comprend pas toujours ce qui se passe. On fera peut-être un what the cut. Un what the cut, une petite review. Parce qu'on on aimerait bien du coup. Parce qu'il y en a, franchement. Parler de vos vidéos, des trucs, assez marrants. Quand même. Ouais. Et n'ayez pas peur, le temps, on avait dit 15 secondes, mais voilà, c'est. Oui, au final, il y en a qui vont vers les 30 secondes. Bon, c'est comme ça. Hein, tant pis. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Donc ça c'était la nouveauté. Enfin évitez de faire une minute quand même. Oui voilà, non, en gros c'est ça. Voilà, sinon c'est tout. Pour ceux qui vont voir, qui vont peut-être pas voir l'épisode 10, on peut prévenir là déjà. Oui. L'épisode 10 sera mauvais. Voilà, ça c'est déjà une chose. Parce qu'en fait, on l'a tourné. Si vous voulez, on avait fait une session de tournage avant qu'on. Cet épisode. Voilà, on avait tourné cet épisode en août dernier. Et du coup, ils étaient. Ils étaient ce qu'ils étaient. Voilà, ils étaient ce qu'ils étaient. Le début. Donc les débuts. Et donc, après, pendant l'année, là, on a tourné donc l'épisode 7, 8 et 9. Et on voulait absolument terminer par la scène de fin de l'épisode qu'on avait tourné cet été. Mmh. On sait pas pourquoi, c'était une idée de merde au final. Oui, au final. Mais bon, on assume l'idée de merde. Mais du coup, on vous préviendra au début de l'épisode 10, donc... on n'est pas très fiers de celui-là. C'est juste que il a vieilli. Il n'y a pas la lumière. On a évolué depuis. Il n'y a pas la lumière, il est plus court, il y a moins de critiques. Alors vous dites pourquoi il sort pas maintenant parce qu'on hésite. On ne sait pas qu'on hésite, c'est que ça. Non, mais j'ai été pas mal occupé aussi sur un tournage. On peut faire la pub. On peut en parler vite fait. Le Ferryman, donc c'est une web série qui va sortir en septembre. Je vous mettrai le lien dans la description pour la page Facebook. La chaîne YouTube. Moi, j'ai participé comme ingénieur son. J'ai aussi été acteur dans le premier épisode. Et je pense que ça sera sympa à regarder. Voilà. Et moi, j'ai une nouveauté. Je me suis mis à écrire une émission aussi, ça s'appellera normalement
mais pas su... enfin on je discute avec Greg, ce sera autour des bulles. Oh, moi j'ai rien à dire hein. Oui oui, c'est la mienne, mais j'ai envie, ce sera un petit peu comme la table de montage, enfin moi je fais ça dans mon côté et lui bah il va faire du coup voilà. Son émission de son côté. Autour des bulles, ça sera sur on commence à avoir pas mal d'émissions sur le sur la chaîne. Ça sera sur la bande dessinée autre que japonaise, parce que il y a pas que les mangas dans la vie et ça me semblait Ou alors tu voulais parler aussi des auteurs peut-être. Oui, des auteurs, oui, enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a autre que le manga autour des bulles quoi. Et donc ça sera un format classique, présentation, critique, il n'y a pas vraiment de grand chose, mais si, et du coup là ça sera plus communautaire que l'atelier. Là il y aura vraiment, faites-moi dire ce que vous voulez comme BD, parce que BD je m'y connais pas énormément, mais j'ai envie de voir des choses, et s'il y a des trucs que je connais pas, bah j'achèterai les premiers tomes, voilà. Donc c'est vrai que généralement, bah on... Vous nous proposez des mangas et on n'a pas, enfin on peut pas vraiment les prendre parce que c'est des séries hyper longues. Parfois oui, c'est des souvent des séries qui sont longues et qu'on n'a pas forcément lues. Et aussi on a souvent, on prépare très à l'avance nos épisodes. On sait là déjà pour la saison 2, on sait pratiquement. On a toute la liste. On a la liste des mangas qu'on va faire. Hein. Donc on est désolé si c'est pas super. Si on n'est pas. Du coup, même si vous mettez sur Tipeee, là maintenant. Prochain atelier, vous mettez ça, bah on change dans notre liste. Oui, c'est du coup, oui, on fera voilà. Un truc. Voilà. On fera un atelier c'est en plus, quoi. Voilà. Donc voilà, et on aura peut-être une surprise plus tard. On dit pas ça ? Non, on dit non, pas. On dit oh, pas. Des petits projets ! Des petits projets ! Voilà, des petites surprises. Et voilà, on sait pas encore, mais il y a des choses qui se goupillent un petit peu partout et c'est bien. On est c'est cool. Hein. Alors qu'on a que 3000 abonnés. Hein. Ouais, mais c'est... Voilà. C'est tout. Voilà, et Greg a eu son année en art du spectacle. Ça, c'est bien. Moi, je suis au rattrapage. Ah, tu sais pas, t'as pas mais encore je suis au rattrapage. Non, mais il a pas ses résultats et puis il est déjà défait. Mais je révise au cas où. Mais il a son première année, donc félicitez-le dans les commentaires, il sera très content. Et il ne ressemble pas à Nicolas Cage. Non, c'est faux. Je ne suis pas Nicolas Cage. Voilà, donc voilà, des gros bisous. Ouais. Partagez tout ça, aimez. Bah, partagez les épisodes surtout, pas cette vidéo-là. Parce ouais, que, Spirale, on est content que on vous a fait découvrir des choses. On est content. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient regardé après, enfin qu'ils avaient lu le manga suite à notre vidéo, donc ça fait très plaisir. Donc on va faire plus de mangas comme ça dans la saison 2. Ouais. Enfin, ça va être équilibré quand même. Hein. Oui, on va essayer de traiter un peu de tout. Voilà. Ciao. Bon bah, à plus. Et à plus. À plus. Ouais.